Eh bien, salut à tous et bienvenue, je suis LinkLeguiz pour vous servir et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur Final Fantasy XV après l'épisode plus que mouvementé de la dernière fois et riche en émotions. On quitte aujourd'hui le premier tombeau royal pour apparemment aller en chercher un deuxième. Et on se transforme en attendrake, j'y peux rien, moi, hein. C'est comme ça, le... bon bref. en tout cas, on va voir ce que ça va donner hein, sur ce petit soleil matinal. Bon, enfin matinal, pas tant que ça, mais bon, il doit être quoi? Il doit être 10-11 heures entre... c'est quoi ça là-haut? Il y avait un truc dans le ciel, j'imagine un vaisseau de l'Empire. ここでは昔帝国軍との激しい戦闘があった。廃墟となったのをいいことに、今や帝国軍が好き勝手に出入りしている。ah oui, d'accord. OK. Bon, du coup, on découvre à quoi ressemblent les Magitech. Ah, c'est le truc que j'ai tué juste avant. Ça ressemble pas du tout à ce que j'avais l'habitude de voir en Magitech. Hein. Oh, genre. Toi, tu touches pas mon pote! Ouais, ils ont une tourelle! Ils ont une tourelle. Ah ouais, j'avais pas vu, mais Core, il a un peu 3000 PV en fait. Eh, tu veux pas lâcher ton truc là? Ni, pendant que je galère à monter. Mais non, Prompto, il va très bien. Ah, on peut utiliser une compétence de corps. Oh. Intéressant. Je veux tester ça. Rugissement du lion. Ah ouais. Oh, il se bat au katana, j'avais pas vu. Ok, c'est décidé, j'adore corps. Déjà qu'il avait la classe, alors si en plus il se bat avec un katana, il a tout pour me plaire, ce petit. On peut ? Nice! Oh, si j'avais vu ça plus tôt! Si j'avais vu ça dès le début! Ouais, du coup, ça, c'est des vaisseaux des vaisseaux impériaux, d'accord. On dirait tellement le vaisseau des Jawa dans Star Wars, je suis désolé, mais... C'est moche! Enfin bref, on va à... Oh! J'avais pas vu la statue. Holy shit! Attends, je veux voir son level. Level 17. Allez, go! Oh, il est pas passé loin celui-là! Allez, mon gars! C'est ça d'avoir des grosses papates? Tu tiens pas dessus quand on tape dedans! Ah ouais. J'ai disparu, tu ne me vois plus.
Pendant qu'on a Prompto qui brûle. Des joints en mitril. Eh ben mon gars. Watatatatata. En plus je brûle. Nata. C'est bon. Tout va bien, je suis vivant. Ok, ben on vient de se démonter deux armures Magitech. Oui, si j'ai bugué, c'est que j'ai vu l'ombre arriver en fait. Alors, qu'est-ce que ça largue ça? Ça largue du lourd ou du soldat? Ouais, ça envoie pas mal de soldats quand même. Hein. Enfin bref, nous, c'est là qu'on doit aller. Les tranchées de Kekatrich. Premier donjon! Oh! Puis on y voit que dalle ici. Déjà? Bon bah écoutez hein. Premier donjon. J'espère pas pour nous. Parce que quelque chose me dit qu'il vaut pas être forcément content de nous voir. Ah, d'accord, la map se découvre au fur et à mesure. Putain, c'est grand! Fur et à mesure. Bon, le jeu nous dit d'aller à droite pour suivre le câble, mais moi je suis dissident. Ils ont tellement pas l'air rassurés d'avancer quoi. En même temps, il y a un item. Oh, d'accord, ça rejoignait. Ok, bon bah. Un condensateur électrolytique, ok. Nice. Bon bah voilà, au moins on y verra un peu mieux. Allez go. Oh. Là ça change d'ambiance là. Ok, donc on a un chemin ici. J'allais voir de ce côté-là. Ouais, j'aime pas du tout l'atmosphère que ça crée, perso. Ouais, c'était la roulade du 11 casse. La roulade du 11 casse, on sait pas ce qui va arriver. Sait-on jamais que ça tombe ou quoi? Pousse-toi, Gladio, s'il te plaît. Merci. Vous êtes grave les gars. La musique, il va bien dans le thème en plus. Faudra qu'on revienne. Ah mais Prompto quoi, sans déconner, j'aime tellement ce perso. Grave. Oh. Hop là, oula oula. Ok, j'imagine que je dois pouvoir ouvrir la porte histoire de pas avoir à me baisser à chaque fois.
Ah non, c'est pas... Ah non, ça rejoint pas la porte. Autant pour moi. Mais je sais que c'est un cul-de-sac. Des gobelins! Oh allez! Oula, attendez. On va se mettre dans les gravats, ce serait pas mal. Allez. Bon, toi là-bas là. Oh, comment je l'ai eu au vol. Excellent. Oh. Bon, ben on continue sans lumière du coup. Du coup, bon là j'avais pas accès, là j'y avais pas accès. J'espère que ça rejoint à ce niveau là. Ça a pas l'air. J'aurais peut-être pas dû traverser direct. Ouais, alors attendez. On va refaufiler sous le truc là. Hop là. Du coup. Évidemment. Par la musique, il va tellement bien au truc en plus, quoi. Quoi, pousser? Y'a pas un truc où il y a marqué pousser? C'était bien la peine. Bon bah du coup c'est quoi ça? Oh. D'accord, il y a des essences de magie sous cette forme là. D'accord. Oh putain, Prompto, je m'attendais tellement pas à te voir là, ça m'a surpris. What? Des gobelins encore! En plus, ils sont bien empaquetés là. Gladio, il fait tellement un massacre au milieu. Le bon massacre. Bah du coup, bah, on va du... Ah oui, c'était là. On va retraverser du coup. On aura eu deux items en plus, hein. Moi je dis pas non. Alors... Du coup j'imagine qu'on peut passer au milieu là. J'aurais tellement pas confiance. Heureusement qu'il est tout fin, Noctis. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc bleu? Ah non, c'est un item, d'accord. Un item en plein milieu du couloir, hein? Ouais. Prends-moi pour un jambon, le jeu. Genre, y a rien. Genre, tu oserais me faire croire qu'il y a rien. Oh, c'est ouvert. Allez, je te les embroche, moi, les gobelins. Moi, ouais, on est dans une grotte, mais j'arrive quand même à faire des méga-sauts de dragoon. Et alors? Où est le problème? Ah. Nice. Là, y a rien. Bah pas grand chose de plus, hein. Là ça a l'air de continuer par là. Évidemment c'est fermé.
Bon, là c'est ouvert. Alors il y a un passage sur la droite, j'imagine qu'il va être fermé, évidemment. On va quand même aller chercher l'item, hein, parce que voilà, on va se faire très probablement prendre en embuscade. Même pas? Ah bah là je suis presque triste là. Quoi, c'est ça qui fait du bruit? Non, c'est pas ça qui fait du bruit. Les douches. Bah, au moins... Oula, oula. Mon cul qui a rien, ouais. Allez, là ils sont bien en ligne. Ah, ça va faire plaisir quand je vais récupérer ces 3600 points d'XP là. Bon, ça a l'air d'être la bonne route. Cela dit, est-ce que je reviendrai pas en arrière pour voir le chemin qu'il y a ici? J'ai bien envie. J'ai bien envie. Donc on va y aller. Alors du coup, là c'était fermé, on est d'accord. C'était ici. Alors déjà, il y a de la lumière. À moins que ce soit là la bonne route. J'ai aucune idée. Non, je vais pas sauter, je vais ramasser. Non mais... Un capteur laser, ok. Tout va bien. Ok, là il y a une salle. Une salle fermée. La porte qui s'était refermée sur nous, d'accord. Ok, bon bah j'ai bien fait de revenir. Au final, ça aura pas mis longtemps. Du coup, là, on passe ici. Bon, on va passer là-bas. Une arbalète à rafale. What the fuck? C'est quoi? Est-ce que je peux m'en équiper, moi? Ouais, je peux. Bon, ça booste mes PV, ça baisse mes PM, ça augmente mon attaque. Les machines peuvent lancer des attaques spéciales en appuyant sur triangle. Éclipse impossible. Machine à tirer des rafales de carreaux. Est-ce que, genre, Prompto, il pourrait s'en équiper? Ouais, il peut. Ok. Bon, bah, écoutez, on aura chopé une arme pour lui. Pourquoi pas, écoutez. Hein, on s'amusera avec. Bon, ça a l'air d'être par là. Ah, quoique. Je m'attendais pas vraiment à trouver ce genre de donjon, enfin un donjon dans cette ambiance-là, en tout cas dans un Final Fantasy. Il y a peut-être moyen de passer derrière ici, il y a le chemin continue sur la minimap, donc il y aura peut-être un moyen. Oh, là une grande salle. Ça pue le combat. Oh putain, il m'a tellement surpris. Oh. Et le contre. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Mais bon, au pire c'est pas grave. C'était vraiment chelou, hein. Chez eux, j'admirais le mob, hein. Je sais pas si on peut dire ça. Mais je regardais le mob, c'était vraiment chelou. Saleté. Allez, lance une analyse. Saleté. Ah mais saleté, laisse-moi me relever. Allez, le contre.
Ah, c'est con, elle craint le... les armes lourdes et je l'ai enlevé. Ah, saleté. Je déteste ce coup-là. Raté. Oh, genre. Tiens, mes sales bêtes. Bon, je l'avais dit que ça sentait le combat, cette zone. Je l'avais dit. Ouais, là, on peut ouvrir de ce côté-là. Ce qui nous permet de sortir plus vite de ce côté. Ok, là, on est bon. Là, on est bon. Ok. Item. Bon, cela dit, vu que j'ai... non, c'est pas ça que je veux faire. Vu que je l'ai pas forcément vu, Ignis... Prompto, pardon, l'utiliser. On va faire un truc. Tac. Ah, mais du coup, oui, non, elle est équipée sur lui, donc forcément. Tac. 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 Qu'on se teste ça, quand même. Oh, ah oui. Ça a l'air gros, ce machin. Prochain combat, on teste. Bon, du coup. Bon, avec des bestioles comme ça, en même temps, tu m'étonnes que ce soit abandonné, la zone. C'est pas si étonnant que ça. Ok, là, il y a un truc... Ok, l'objectif est droit devant. Là, je peux pas y aller pour l'instant. Là, y a rien. Moi, j'imagine qu'on sortira par là. Allez. Il y a des yeux et un nez derrière. Ok. Bon bah, prenons l'arme du coup. Stylé. Hallebarde de l'acharné. ああ。力を借りてようやく陛下のお力に近づけた状態だ。借り物だな。言い方。実際使ってみてどう？ああ。いろいろやれるようにはなったな。見栄張って無理はすんなよ。使いこなしていくのはこれからだ。 Ouais, j'avoue, elle a l'air... Non, c'est pas le bon menu, à chaque fois je me plante. Elle a l'air intéressante, là, la hallebarde, moi j'aime bien. Oh, mais attendez, une hallebarde, j'ai dit. Hallebarde du roi aux faits d'armes les plus illustres et qui enrichit son peuple en agrandissant son territoire. Ses coups sont lents, mais extrêmement puissants. Ouais, mais du coup, elle est quand même... moins intéressante que la lance. Ouais. Bon, pour l'instant, j'utilise pas trop la magie, donc au pire, on va voir. On va voir. Quitter pour... Ah, alors non, pas de suite. Y a pas moyen de faire quelque chose, là? Si. Hey, let's go. Eh bien, avance. Ouh. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? What the fuck? Te mets pas devant. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Fermé à clé. Ah, d'accord. Sans deck.
Ah, Sandak. Du coup, c'est marqué quoi? Donjon, on sait pas ce que c'est, d'accord. Bon, bah du coup, on va retourner à l'entrée. Oui. Oh. Allez. Putain, on arrive à capter ici. Ouais. モニカと顔を合わせているな。詳しいことは集落でやつに聞いてくれ。なんて？帝国の基地を潰せってさ。モニカに話を聞く。集落に行くぞ。 Eh bien écoutez, moi ça me va. Si on peut péter des trucs de l'Empire et récupérer des armes. De la poussière d'or, mon gars. On se fait plaisir. Bon, y'a pas un petit mob là que je... Oh, toi... Oh, non, non, t'es pas petit, toi. Niveau 34, le curl. On le tente ou pas? On est où? Ah oui, on n'est pas sorti du bon côté, en fait, d'accord. Oh, le curl, j'ai envie de le tenter. Bon, au pire, si ça devient trop tendu, on se barrera. Bon. Ouais, normalement ils font de la magie avec leur moustache. Ok, il a OS pronto. Ok, on se casse. On se casse. Ouais, non, parce que je veux bien les faire, franchement, mais si c'est du one shot, voilà. Mais par contre, j'ai pas du tout compris comment marchait le truc arbalète là, truc chelou. Bon, bah du coup, va falloir contourner cette zone là. Si le truc, il a fait deux attaques, deux one-shot. Pas que je sois pas confiant, hein, mais bon, voilà, je le sens moyen. On va contourner, j'espère que sa zone d'action ne va pas jusqu'ici. Allez, normalement là ça passe. Ouais, il est là-bas. C'est nickel. Oh, pousse-toi. Ouais, du coup le lance machin là, j'ai pas bien compris. Alors en même temps, j'ai pas eu vraiment. J'ai pas vraiment cherché et puis j'ai un peu paniqué aussi quand j'ai vu que les autres ils se sont fait one shot. Mais du coup, faudra tester ça. Faudra qu'on teste aussi la hallebarde pour voir. Voir si elle est si lente que ça, même si je pense qu'elle va l'être. Allez, du petit mob. Du petit menu fretin, là, je dis pas non. Pourquoi j'arrive pas? Ouais, j'arrive pas à me faire une éclipse en avant. Bon, bah je sais pas. Retour là-bas. Voilà, parce que je pouvais pas faire d'éclipse avec le genre d'arbalète là. La guerre est déclarée. Oh oui. Y a un moyen de pioncer. T'as pas du matos, toi? Quelques armes qui pourraient être intéressantes pour les autres, ou quoi? Non. Bah non. Ah bah non, tant pis. On se cache. Y a pas de quoi dormir ici. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait de quoi dormir. Cela dit... Ouais, non, y a un truc là-bas. Bah go la voiture!
prends la voiture. Ah oui, non, mais bon, vas-y, c'est moi qui conduis, parce que du coup, ça va être chiant, sinon. T'inquiète, je prends le volant. Conduite manuelle. Nocto, t'inquiète. Ignis va yassende te kure. Du coup, on a passé bien joué de prendre la voiture. Map. Ah oh, bon, ça, en fait, ça va, c'était juste là en fait, d'accord, j'avais même pas fait gaffe. Ok. La voiture qui sert à rien pour faire combien? Pour faire 300 mètres, ok. En même temps, on est un prince, hein, on se fait. Voilà. Du coup, petit demi-tour, hein. Je l'ai laissé parler, mais voilà. Je profite un peu des musiques aussi, surtout FF5. Même si celle-là est pas forcément ma préférée. Non, vas-y, on va se garder celle-là, le temps des 100 mètres qui restent. Ouais, garde toi là. Voilà, au moins on arrive au barrage, au parking, pardon, du barrage. Au pire, on va dire qu'on aura approché la voiture pour la prochaine fois. On va dire ça comme ça. Allez, oh, ça je prends. Ça par contre. Allez. À travers les plaines. En plus, on sera de nuit, du coup, pour s'infiltrer, ça va être encore plus facile. Je sais pas si ça change quelque chose. C'est quoi? Du poivre! Ça sera toujours utile pour la bouffe. Que pour nous faire, Ignis? Moi, je ne dis pas non. Bon, du coup, direction du Sky, hein? Comme je disais. Oh! Elle est allée plus vite que nous! Je fais équipe avec Cor. Je peux refuser, genre je reste avec mes potes. Ah non, bon bah d'accord, j'ai pas le choix. Ok, bon bah go. Ouais, ça aussi tu l'as déjà dit. Ouais, on fait équipe avec Cor. Du coup, pas vraiment le choix. Ah, mais je n'en doute pas. Surtout venant de toi. Je sais que toi tu vas faire ton bon gros bourrin. Mais c'est pour ça qu'on t'aime bien, Gadio. En tout cas, c'est pour ça que moi je t'aime bien. Tellement stylé et tellement bourrin. Allez. Et du coup, on arrive à Duskae, l'endroit de la démo. Yo, comment on se retrouve? Ok, moi ça me va, mais pour le coup j'aurais bien aimé qu'il fasse jour, histoire qu'on y voit un peu quelque chose. Mais bon, si, il y a de l'infiltration. Ah
What? Mais en fait, c'est un fusil à pompe, les machins, c'est ça? Ouais. Je suis pas ultra convaincu pour l'instant du truc, là. What? Oh, les dégâts! Bon, par contre, la vitesse, hein. Mais les dégâts... Bon, au moins... Non. Je me plante encore une fois. Au moins, ça me conforte dans l'idée que j'aime pas du tout ça. Donc, on va faire un truc. C'est qu'on va faire ça ici. Ici, on va mettre la magie. Et pour l'instant, ce sera pas mal. Eh bien. Ah oui, c'est un beau poteau. Allez. Voilà. Oh, mais la puissance du machin. Bon, en plus avec l'autre là qui se la joue. Qui se la joue samouraï, beaucoup trop stylé. Non, mais clairement, j'adore ce mec. Clairement, j'adore ce mec. D'une, il est classe. De deux, il se bat avec un katana. De trois, il fait juste ultra mal. Je surkiffe ce perso. Oh, item. Allez, c'est pas toi que j'aurais voulu viser. Ouais, il y a du monde là-haut. Allez, je le prends dans le coin. Bon, il l'a fini. Non, mais la puissance du type. Allez, je me crée ma porte d'entrée. Non, je suis pas monté. Allez, j'ai réussi à contourner les types, les mechas en tout cas. Voilà, allez, on va se calmer là. C'est pas toi que je voulais viser. Planque-toi, non, planque-toi. Ouh, Ibi. Allez, round 2. Ah mais non. Bon bah... Ah mais il l'a tué. Ah ouais, j'avais pas vu. Ouais, non, mais j'ai eu quelques problèmes de vie. De type, je vais crever. Et de type, je rate mes éclipses. Oh, attendez. Hop là, j'en profite. Alors, je sais pas pourquoi je peux me planquer là et pas ailleurs. Mais j'en profite pour régén mes PM. Yo! Nocto! Salut les gars! T'es stylé, toi. Combat de boss. D'abord.
Bon, quoi que. Ouch. Allez mon pote. Ok, ça fait super mal. Couchez. Couchez. What? Qu'est-ce que j'ai pris? Bon, au moins, on a eu deux snipers sur les côtés. Je voudrais revenir. What? Ah! Il me tire dessus! Non, laissez-moi! Non, laissez-moi! Ça, c'est fait! Non, mais je veux tuer lui, là. Voilà! Oh, mais genre, je me suis fait avoir, quoi. Genre, vraiment. Eh, prompto! Coup de main, coup de main! Merci bien. Bon. On va dire c'est un truc mécanisé. Est-ce qu'on ferait pas un truc ultra violent? Allez, extra foudre. Non? Non, il veut pas. Un petit extra foudre à 107 de puissance. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je pense qu'il va pas aimer. Ah, mais vas-y. Ouais, moi, j'aime pas les missiles, par contre. Bon, je disais donc. On vient de tuer Ignis. Désolé mon pote. C'était pour la forme. Ouais, ça lui fait pas tant de dégâts que ça en plus. Hein. Ah putain, Prompto, t'es où? Il est où Prompto? Ah bah il était là-bas, d'accord, j'avais pas fait gaffe. Allez. Ouais, bon, je sais, c'était pas la meilleure idée qui soit. Allez! Allez! On détruit les papates. Oh, les dégâts. Ah, j'ai pas eu le temps. Pourquoi j'ai pas eu le temps? Hop là. Merci Ignis. Et boum. Oh, t'es deg. T'es deg, mon pote. Yokuyatta. Nakanaka no ugoki da. Tatakai kata mo tenarete kita na. 安心したぞ。俺はまた帝国への監視を続ける。では、いずれまた会おう。Bon bah ça c'est fait. Un petit 6700 points d'XP qui va faire plaisir ça. Faudra qu'on aille dormir dès que possible. Et on a le trophée, reprend dans la route. Ouais, mon petit Noct, c'est que le début. Fin du chapitre. Ah d'accord, l'XP se récupère comme ça en fin de chapitre.
D'accord. Bon, bah on est passé niveau 16. Gain d'aptitude, capacité à se prendre parfois soi-même en photo. Ok, il va faire des selfies, quoi. Génial. Les selfies de prompto, attention, ça va venir. Stylé, je la garde. Oula. Ouais. Très jolie main. Ouais. Yeah. Oh, joli. Oh, joli, je garde. Ça là est pas mal par contre. J'aime bien. Chapitre 3. Un vaste monde. L'Empire est un ennemi puissant et Noctis a un long chemin devant lui avant d'avoir une chance de reprendre le cristal. Il part donc à la recherche du pouvoir de ses ancêtres. Et du coup, on va arriver dans Duskai et ça c'est cool puisque ça c'était l'endroit de la démo. Et si vous vous souvenez, et j'espère que ça n'a pas changé, ici, il y aura des chocobos. Lédolas, Alder Cap. Gravius Nox Fleury. Même famille que Lunafreya, si je comprends bien. Bon, apparemment, Oh, ouais, ouais, ralentissez les mecs là-haut. J'avoue, ça m'intrigue aussi. Bon! Bon, ça va, niveau essence, on est tranquille. Ah d'accord. Il est désormais possible de conduire la Regalia à tout moment. Vous pouvez aller à la salle d'entraînement. Oui, non, on s'en tape. D'accord, donc maintenant qu'on a fait 100 mètres dans Duskai, on connaît la région, donc on peut y rouler dedans. Bon, bah ça c'est cool. Enfin une bonne nouvelle. Chocobo. Non, je suis désolé, on a dit Chocobo là. Chocobo!
Ah ouais, non, mais je suis désolé, là. Désolé, Gladio, hein, mais... J'ai le choix entre ta sœur et des chocobos. Bah, je suis désolé, mais là, c'est chocobo, quoi. Il n'y a même pas moyen. Bon, c'est un peu méchant pour la sœur, mais chocobo. Et du coup, donc, la map. La map. Alors, Dusky est plus au sud. Alors, mais attendez... Non, pourtant, enfin, on est en Dusky Nord, du coup, si j'ai bien compris tout ce qu'il disait dans les scènes. Ouais, non, c'est Dusky, ouais, je crois reconnaître l'endroit, en fait, mais je suis pas certain. C'est ici, il me semble, qu'on voyait Cindy la première fois dans la démo. Ouais, là, il y avait un truc qui partait à gauche, qui repartait là-bas, et le chocobo, ouais, c'est tout droit là-bas. Non, je pense que c'est là. Je pense reconnaître la zone. Alors, bien que ça ait un petit peu changé, il me semble. Mais je pense reconnaître la zone. Du coup, eh bien, je pense que vous savez ce qu'on fait dans le prochain épisode. Hein. Je pense que la question ne se pose même pas. Mais en tous les cas, j'espère que cet épisode-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à la commenter. Et pourquoi pas vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous, on va se retrouver très bientôt pour la suite et j'ai hâte de tourner la suite. Mais d'ici là, portez-vous bien et que la funk soit avec vous les amis. Ciao ciao.